Bonjour à tous, aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ce kit que j'ai trouvé sur Amazon UK. Il a l'air trop cool, ça s'appelle Slimy Café. Il y en a plusieurs sortes et en fait c'est fait de squishy et de slime. Vous avez les deux en même temps et vous pouvez former des desserts avec. C'est un kit qui a l'air vraiment cool, donc j'espère qu'il va vous plaire. Quand j'ai trouvé ça, je me suis dit que vraiment vous pouviez aimer. Donc à l'intérieur, comme je vous dis, il y a plusieurs couches de gâteaux en squishy et normalement il y a une ou deux bouteilles de slime pour pouvoir décorer les squishy. Donc je vais ouvrir ça sans plus attendre. Alors du coup à l'intérieur vous avez un slime violet, il a l'air assez dur, c'est pas exactement quelle texture ça va être mais on verra en touchant. Un slime bleu, ça c'est clairement un jelly slime. Un slime vert, c'est un slime fluffy. Vous avez une petite plaquette de moule pour faire des petites formes en slime. Et vous avez un sachet avec toutes les formes de squishy. Donc il y a deux gaufres. Le truc rouge, je ne sais pas trop ce que c'est. Et des petites formes de chantilly. Donc du coup j'ai eu le squishy gaufre. Donc ça coûtait 16 livres, ce qui fait 18 euros et quelques je crois. En tout cas c'était moins de 20 euros c'est sûr, et donc je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses au final. Donc franchement je trouve le prix très raisonnable. On va aussi tester les slimes. Ça doit être celui-ci pour faire les formes parce qu'il reste bien en place. Celui-ci, c'est bien un gigli. Ça c'est bien, ils l'ont super bien fait, c'est pour faire la texture un peu gelée des gâteaux et tout, donc c'est bien. Et ici il fait vraiment mousseux. Alors c'est parti, montons notre petit squishy.
Je vais essayer de faire un petit moule pour voir ce que ça donne. Je vais vous faire une autre version après, mais pour l'instant ma première version je la trouve assez mignonne. Franchement ça rend bien, hein. Je trouve que c'est super sympa. Il faudrait que j'appuie dessus pour voir, mais j'ai pas envie, je trouve ça trop joli. Allez. Franchement, ça reste plutôt en place, hein, mine de rien. Ça se défait pas tant que ça. Mais c'est trop agréable, le mélange du slime et du squishy dans les mains, c'est trop bien. En plus, je pense qu'ils ont fait vraiment en sorte que les slimes, les textures ne se mélangent pas pour que vous puissiez les réutiliser. C'est vraiment bien. Je vais essayer de les enlever. Bon, il n'y a que le Jiggly, forcément il colle un peu aux mains, et ça c'est le principe du Jiggly slime, hein, donc c'est normal. Mais même ça, regardez, je vais pouvoir récupérer ce bout là et le mettre dans ma... le remettre dans mon sachet, je pense. Ouais, regardez, ça se mélange pas du tout, c'est trop bien parce que du coup vos slimes vous allez pouvoir les réutiliser à volonté. Je pensais que ça... je pensais que j'allais en perdre quand même un petit peu. Mais là visiblement pas du tout, hein. C'est trop bien. Vous allez pouvoir faire plein de sortes différentes en réutilisant tout le temps les slimes. Je valide à 100% ce truc, c'est trop cool. Je vais recommencer, je vais faire une autre version. Donc voilà la deuxième version. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Je pourrais encore faire plusieurs versions. On peut vraiment créer énormément de possibilités.
Et voilà, donc par contre moi je suis vraiment vraiment impressionnée qu'on puisse récupérer tout le slime. Du coup, enfin, pour en user, il va falloir quand même vraiment vraiment jouer avec, je pense. Donc c'est bien parce que vos sachets restent intacts. Donc franchement, vous allez pouvoir utiliser ça super super longtemps. Donc ça c'est vraiment top. Les squishies, ils sont super bien, les textures du slime sont super bien. Franchement, cette gamme, la Slimy Café, je vous la conseille si le concept vous plaît. N'hésitez pas à en commander un parce que c'est vachement cool. Le prix, comme je vous disais tout à l'heure, je le trouve vraiment raisonnable. J'ai pris cette boîte là, j'ai peut-être oublié de vous préciser ça, j'ai pris cette boîte là parce que je trouvais que ça revenait moins cher que d'acheter séparément. L'avantage d'acheter séparément, c'est que vous pouvez choisir votre kit de squishy, donc celui que vous voulez. Et vous pouvez également acheter des slimes individuels, donc du coup choisir les couleurs que vous voulez. Que là, enfin, j'ai rien choisi, j'ai commandé un kit et ils m'ont envoyé celui-ci. J'aurais pu recevoir la glace, j'aurais pu recevoir le gâteau. Je savais pas ce que j'allais recevoir. Donc c'est à vous de voir, mais ça revenait beaucoup moins cher de commander ça que de commander le pack de squishy et les packs de slime à côté. En tout cas, vraiment moi j'aime beaucoup, je trouve ça assez cool. J'attends vos avis en commentaire bien sûr comme d'habitude. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.